Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je me trouve sur la commune de Saint-Justen-Naudeux à Bruxelles, où je voudrais vous présenter une nouvelle rue. Et oui, il est assez inhabituel qu'une nouvelle rue naisse dans une ville. Je suis rue Poplin, du nom d'une héroïne de la résistance de la guerre mondiale. Cette rue se trouve entre le Covent Garden, tout près de la place Rogier, de la tour d'Exia, du nouveau tunnel Manhattan et également bien évidemment du chemin de fer, de la liaison Nord-Midi et du jardin botanique. Au sommaire de l'émission de ce jour, je vais quitter la commune de Saint-Josse pour aller à Ixelles où je vous emmène au bureau d'architecture d'UP40 qui est un bureau d'architecture un peu particulier puisqu'ils font et de l'architecture et de la production audiovisuelle. Nous allons nous entretenir avec Nicolas Houillou et nous parlerons principalement du festival du film d'architecture qui se tient à Ixelles du 24 au 29 mars. Ensuite, nous nous rendrons avenue Louise, au White Hotel, où j'ai rendez-vous avec l'architecte Sébastien Moreno-Vaca pour parler de la rénovation de cet hôtel extrêmement particulier et très design. Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Tu vas bien ? Mais ça va et toi ? Mais je vais fort bien. Alors, il y a du soleil aujourd'hui. Je suis là pour parler du film d'architecture, du festival du film d'architecture qui aura lieu à Ixelles en mars prochain. Tu en es l'instigateur, mais avant toute chose, j'aimerais que tu expliques un peu qu'est-ce que DUP40. DUP40, c'est un lieu particulier. DUP40, c'est vraiment... C'est pas un atelier d'architecture. Donc c'est ça l'est quand même. Ça l'est aussi. C'est une maison de production... Et ça ne l'est pas non plus. Audiovisuel, c'est un lieu qui accueille différents artistes avec différents projets et qui cherche à développer ses projets, à produire ses projets. Donc, que ce soit des projets d'architecture, des projets de cinéma, des projets graphiques ou des projets plastiques. Donc, l'idée de DUP40, c'est vraiment l'idée d'un lieu, d'une géographie, on va dire, plus que d'une association. Donc, c'est vraiment dans cet endroit, je dirais que se passe la réunion de différents projets, de divers projets qui s'unissent à un certain moment. Tu es l'instigateur du festival du film d'architecture avec d'autres personnes. Avec Jean-Marc Sternaud et Axel Klosterman, oui. Et quel est l'objectif de ce festival ? Donc l'objectif du festival, c'est plus l'idée de favoriser l'architecture contemporaine par le biais d'une autre discipline. Mmh. Donc on a pensé que effectivement le cinéma, l'image était peut-être plus accessible au grand public ou aux spectateurs. Donc on essaie de faire passer certaines idées de patrimoine contemporain, d'architecture contemporaine, par le biais du cinéma, par le biais de l'image et par le biais de différentes conférences, de différents événements qui ont lieu pendant cette semaine de la fin mars. L'idée, c'est vraiment de développer chez chacun l'envie de découvrir l'architecture contemporaine, l'envie de s'intéresser à un patrimoine à construire pour l'avenir, disons. Alors, le festival aura lieu du 24 au 29 mars à Ixelles. Si tu le permets, on va se quitter quelques instants. Je vais aller retrouver un autre architecte, Sébastien Moreno-Vaca, qui va nous parler du White Hotel, et l'on se retrouve tout de suite après. Là que tu m'emmènes à l'hôtel maintenant. Bah écoute, c'est pour bien terminer. Ah d'accord. Alors nous sommes au White Hotel, l'hôtel le plus branché de la planète. Sans doute, hein, au moins de l'univers, ça c'est clair. Au moins de l'univers. Alors, avant 2006, c'était un vieil hôtel de passe. C'est un hôtel un peu normal, assez standard. Voilà. Oui. Et alors, le propriétaire t'a dit, j'ai envie d'avoir quelque chose de design. Tu as dit, moi je déteste le design. Et tu en as quand même fait l'hôtel le plus design
Je vais dire au monde, je vais dire internationalement, en tout cas, il est vachement bien classé. Oui, disons que, en fait, voilà, le propriétaire avait déjà fait un petit hôtel qu'on appelle design, un peu comme ça, mais qui était design par allez, parce qu'il y avait une chaise Stark, des lampadaires, des machins, etc. C'est ça, donc, oui. Donc lui, avec un groupe d'amis, donc ils ont acheté ce bâtiment. C'est un grand bâtiment, il y a une soixantaine de chambres, c'est 3-4 mètres carrés. Et donc ils ont demandé à le convertir en hôtel design. Et alors, j'ai fait ça avec un autre architecte d'intérieur qui s'appelle Michel Penneman. Mais quand on a commencé ensemble, on s'est dit, mais pour faire un tel design, le mieux, c'est de ne pas le faire design. Et donc, on a pris l'immeuble en soi, on a gardé tout ce qu'on trouvait sympathique et on l'a carrément vidé, complètement nettoyé et donc, on l'a blanchi. À bon container, on vide tout ce qu'il y a, on blanchit. Voilà, et on l'a rendu blanc, couleur blanche. Du coup, ça s'appelle le White Hotel. Voilà. Le blanc est hyper chic. Voilà. Alors, tu as construit, en le vidant, tu t'es dit, on va mettre toutes les fonctions derrière une ligne qui est le bar, la réception, etc. Oui. Et donc, quand on a commencé à voir comment on pouvait aménager ce lobby de nouveau qui était encombré de toute une série de fonctions, etc. Donc, restaurant, bar, accueil, il y avait le petit déjeuner, enfin c'était impossible. Tout est mélangé, on s'est dit, mais enfin, vu la surface du bâtiment, il fait 50 mètres de profondeur, hein, donc on a deux façades, façade avant, façade arrière, ça donne sur une rue. On s'est dit, on retire tout, et on a repris toutes ces fonctions, et qu'on a étalé le long d'une bande qui parcourt toute la parcelle en profondeur. Donc on a une bande de 50 mètres de long. Quand il a fallu aménager les chambres, etc., vous avez également trouvé alors une idée intéressante. Oui. L'idée était que, bon, une fois qu'on a blanchi, entre guillemets, donc toutes ces chambres, on les a rendues le plus simple, le plus clean. Donc elles sont toutes blanches avec un tapis gris foncé, noir, donc très simple, très sobre, juste un rideau blanc. On s'est dit, mais alors, qu'est-ce qui pourrait faire un petit plus? Et on s'est posé la question au début de simplement faire peut-être venir quelques designers, et pourquoi pas ouvrir quelques chambres à quelques designers, why not? Et alors, de fil en aiguille, l'idée est venue de faire appel à Lise Coirier, donc, qui a géré ce genre de démarche, et ça a vraiment littéralement explosé parce qu'aujourd'hui, du coup, toutes les chambres reçoivent chacune un designer qui est invité, si on veut, qui a mis une œuvre ou déposé un élément de sa production qui va rester un an, puis on verra dans un an. Et alors, chacun peut plus customiser la chambre d'une manière ou d'une autre avec des petites touches pour du design, pour ce que c'est. Et donc, demain, on peut le changer. Sébastien, je te remercie pour cette journée. Je te remercie aussi. Bon, allons voir les chambres alors. Voilà, on peut aller voir une chambre. Très bien. Merci, au revoir. Oui, salut, au revoir. Nous retrouvons Nicolas de Dub 40 pour parler du Festival du film d'architecture qui aura lieu à Ixelles du 24 au 29 mars prochain. Ce festival aura lieu dans 5 lieux différents. Alors, on peut citer, je vais commencer par celui qui n'est pas à Ixelles pour dire ça. Contredire ce que je viens de dire, donc les Brigittines, mais tout le reste se passe à Ixelles. Hein. Donc, tout le reste se passe à Ixelles, il y a le Cityscape à Avenue de la Toison d'Or, qui est la sculpture, il y a le SIVA, Centre International pour la Ville d'Architecture. Le Théâtre Mercelis. Théâtre Mercelis et Cinémastix. Voilà. Donc il vient d'être rénové d'ailleurs, le Cinémastix à Ixelles. Quels sont les points forts du Festival d'Architecture? Les points forts, il y a énormément de choses qui se passent, donc il y a énormément de films de fiction, de documentaires. Il y aura des avant-premières, je pense. Il y a 3 avant-premières. Oui. Il y a une avant-première d'un documentaire d'Alain de Botton qui s'appelle The Perfect Home. Il y a l'avant-première Walking Faces, un film de Joanne Bertoli en présence de Marie Kremer, donc ça se fera. Si mes souvenirs sont bons, le vendredi soir, donc en clôture. Et Images de Ville présente également un film en avant-première, un film philippin. Ah, il y a également d'autres très grands moments pendant ce festival du film d'architecture qui sont des conférences. Qui sont diverses conférences. Il y a la conférence de Amos Gitaille et Massimiliano Fuxas, donc architecte italien. Oui. Qui seront aussi le vendredi au Cityscape pour une conversation libre entre eux. Il y a un grand débat mercredi soir, donc Stéphane Liberski, Jean-Didier Bergilès, Pierre Eblink, Laurence Thin seront présents. Images de Ville sera présent aussi pour parler de ces rapports, je dirais, très très étroits, entre l'architecture et le cinéma.
Conférence de Andrea Bruno aussi lundi soir, donc à l'ouverture, donc ça c'est l'architecte qui a construit l'extension des Brigittines à Bruxelles. Et la conférence va se faire aux Brigittines. Aux Brigittines. Nicolas, je te remercie pour toutes ces explications. Nous irons donc au Festival du film d'architecture entre le 24 et le 29 mars à Ixelles. Où peut-on avoir toutes les informations ? Les informations, www.dub40.be. Donc, dub40.be. .be, oui. Je te remercie pour toutes ces informations, ces explications. On se retrouvera pour de nouvelles aventures dans Archurbain. Merci, à bientôt. Au revoir.